مساء الخير ها هو الموكب يتحرك بطيئا عبر شوارع روما خلف عربة الموت السوداء مشى يبكي بخفر وبجلال والده الملك المخلوع وراءه الملكة نازلي وبناتها والأميرات فريال فوزية وفادية هو نفسه ذلك الطفل الذي بدأ رحلة المنفى وهو رضيع على متن المحروسة في السادس عشر من شهر يوليو من العام 52 ملك لسنه واحده فقط رحله يوليو بدات في ايطاليا وانتقلت الى سويسرا لتحط في فرنسا فسويسرا في من جديد رحله مليئه بالمفارقات المفاجات والاسرار نسبت اليه العديد من الحوارات التي لم تحصل بعد عقود من الزمن التقيه الليله ولأول مرة يتكلم فتعالوا نكتشفه معا صاحب الجلالة مساء الخير أنا بيشرفني أني حورك وأني أتيح بالتالي الفرصة للمشاهد العربي أنه يلتقي بالملك فؤاد أو الملك أحمد فؤاد اللقاء رح يكون باللغة الفرنسية وعلى أسفل الشاشة أصدقائي المشاهدين رح تتابعوا الحوار Moutarjam Belor al-Arabiye. Majesté, à 13 ans, vous perdez le père, le protecteur, l'idole et le roi. Euh, vous aviez à peine le temps de le connaître et par conséquent le découvrir. Vous avez certainement eu le besoin de comprendre le roi Farouk. Et pour le comprendre, il fallait étudier son règne. Cela fut-il évident et facile euh, Comme père, c'était un, un homme tout à fait. Tendre, extraordinaire, aimant, et euh, que des bons souvenirs. Malgré que je le voyais peu, peu souvent. Les gens qui me parlaient de lui, euh, euh, on parlait comme de quelqu'un de très simple, de très jovial. Donc, ce que, ce, ça faisait un énorme contraste avec ce que je lisais dans les journaux après, plus tard, euh, dans les journaux arabes, dans les journaux égyptiens. Et dans les livres d'histoire euh, de, de propagande, mon euh, Dieu, merci, toute cette période est, est passée. Maintenant, les, les, le, avec le temps, les gens se rendent compte qu'on leur, leur a raconté des, des mensonges. Et le, le, le véritable rôle de mon père dans l'histoire de l'Égypte est en train d'apparaître. Vous avez évoqué le mot tendre et vous avez évoqué le mot souvenir. Euh, quel souvenir précieux gardez-vous du roi Comme enfant, euh, j'avais. Euh, pour moi, c'était une personnalité extraordinaire. Parce qu'il était très imposant sur le plan physique. Euh, et pour moi, je voyais comme un homme très grand, massif. Il était préoccupé par mes résultats scolaires. Moi, je l'ai moins connu que mes, mes grandes sœurs. Donc, je peux. Je, je n'ai pas les, des souvenirs, de, malheureusement, d'Égypte, puisque quand, quand j'ai quitté l'Égypte, j'avais l'âge de six mois. Donc je n'ai que des souvenirs de lui quand il était en Italie et quand il venait nous rendre visite en Suisse euh, dans, no, dans notre villa euh, au bord du lac. Vous lui ressemblez infiniment. <laughs> C'est ce qu'on me dit. <laughs> Tant mieux. <laughs> Dites-moi, Majesté, <laughs> dites est-ce est que vous avez compris la chute je crois qu'il y a de multiples causes. Alors je ne sais pas si, si on va rentrer dans les détails de, de est ce que je, je pense c'est que mon, mon père, s'il a n'a pas voulu faire couler le sang. Il aurait très bien pu s'accrocher au pouvoir comme beaucoup de, de leaders de, de, le, leader le font ou le ou l'ont fait. Mais il a préféré, il n'a pas voulu couler une goutte, faire couler une goutte de sang égyptien. Il a accepté euh, de partir dans des conditions, dans les conditions euh, qu'il estimait honorables Pacifique. pour lui, puisque il a accepté d'abdiquer et, et de laisser l'Égypte en, encore dans la monarchie. On, on, moi, je préfère parler d'un coup d'État et pas d'une révolution. Le peuple n'est pas descendu dans les rues pour, pour euh, euh, crié à son départ. C'est un, une partie de, de l'armée qui n'a plus voulu de, de lui, qui a pris, pris le pouvoir. Et ensuite, ça a été plébiscité par le peuple, mais plus, beaucoup plus tard. Donc c'est comme ça que je vois l'histoire de, de mon pays. Majesté, le roi Fallou était populaire. Cependant, cet aspect est resté méconnu. Euh, à votre avis, pourquoi ça s'est pas montré. Pourquoi l'histoire n'a pas montré et n'a pas démontré et n'a pas affirmé que le roi Farouk était un homme populaire Pourquoi tous ces essais et toutes ces tentatives de montrer que ce roi et ce leader étaient quelqu'un non aimé et mal aimé par son peuple je, je crois qu'il y avait sa façon de gouverner qui est différente de celle d'aujourd'hui. Il, il, il ne recherchait pas les bains de foule. Donc, il n'a jamais essayé de, de faire euh, euh, des grands discours devant le peuple. C'est les gens qui étaient autour de lui qu'il aimait. Et malheureusement, il avait aussi autour de lui des gens qui ont profité de, de la situation et qui, qui euh, se sont enrichis. Ça, ça je ne vais, vais pas le nier. Mais euh, moi, ce que j'aimerais voir, c'est l'œuvre qu'il a, ce qu'il a essayé de faire pour son pays. Et, et moi, je, je pense que le bilan de son règne est, est beaucoup bien meilleur que ce qu'on ce qu veut dire. -à dire. Il a quand même euh, voulu, il a essayé de faire l'union du monde arabe, ce qu'il a assez bien réussi, puisque la Ligue arabe a été créée au Caire. Et il y avait à ce moment-là un grand, un grand espoir que le monde arabe soit uni autour de l'Égypte. Donc ça c'est un résultat de politique étrangère qui est très important. Malheureusement, il y a eu aussi les événements qui ont entouré la, la création d'État d'Israël et le, le, le drame de, 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 la de la perte de la Palestine. C'est l'Égypte qui a été critiquée en, 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 le plus, et, et mon père en, en particulier pour, ce, pour, le, pour cette défaite militaire. Mais je crois que c'est injuste de, de l'imputer ce, ce, ce revers. De plus, euh, si on voit la situation, euh, l'armistice de 48 n'était pas aussi désastreux qu'on le dit. Majesté, vous avez parlé de l'histoire de l'Égypte et vous avez évoqué le mot étudier l'histoire. Des pharaons au roi Farou, c'est 5000 ans euh, d'histoire. L'Égypte est un pays qui a 5000 ans d'âge. Euh, euh, tout en Camon, euh, Ramsès. Cléopâtre, Saladin et Mohamed Ali, tous ces personnages qui ont tissé l'histoire de l'Égypte, vous les connaissez parfaitement bien. Vous connaissez par conséquence parfaitement bien l'histoire de votre pays. Cette maîtrise fut-elle par choix, par obligation Vraiment par choix. D'abord, tout en enfant, j'étais passionné par la civilisation de l'Égypte ancienne, pharaonique. Euh, je trouvais que c'était une... une des premières civilisations du monde et euh, en plus elle a duré tellement longtemps euh, qu'elle dé dépasse beaucoup d'autres. Euh, en plus c'était une civilisation par parfaitement pacifique. C'est-à-dire à l'époque le, 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 pharaonique, il y a eu très peu d'épisodes de guerriers. C'est une, so une société qui voulait vivre euh, tranquillement. Euh, dans le bonheur au autour de, de la vallée du Nil et et, et vraiment c'était elle avait des les lois en Égypte étaient très très modernes pour l'époque et et, et j'ai beaucoup d'admiration pour la civilisation égyptienne ensuite il y a l'époque arabe aussi qui est glorieuse et qui m'intéresse beaucoup euh, bon, il y a beaucoup de Vraiment, l'histoire d'Égypte, c'est quelque chose de, de, de passionnant. C'est une histoire de, de communauté aussi euh, mul, mul, multiple. Il y a de, 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 des cultures, de tout, des, des peuples de tous les pays qui se sont installés en Égypte à travers le, 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 les époques. Et l'Égypte intéresse aussi bien l'histoire, euh, l'histoire de... De, du monde méditerranéen, Rome, euh, la Grèce, euh, l'époque du Moyen-Âge, les, les, les croisades, euh, l'époque le, moderne. Donc elle est, reliée, elle est reliée culturellement à tellement de, de, de choses, d'événements de, de, et d'autres de, de civil, civilisations aussi. Donc c'est un tissage oui. de plusieurs civilisations et de plusieurs cultures. Oui. Euh, le roi Fallou parlait-il à son fils, au prince héritier de l'Égypte, vous étiez naturellement sa joie de vivre dans l'exil, vous étiez l'enfant qui avait éclairci le tunnel de son exil. Est-ce qu'il vous parlait avec nostalgie de son passé, de sa vie en Égypte, de son enfance, de son règne Vous étiez jeune, il est vrai, mais est-ce qu'il a eu cette relation amicale qui a été déclenché malgré naturellement la différence d'âge qu'il avait entre vous. Oui, j'étais très très jeune et malheureusement je n'avais pas de grandes conversations avec lui et malheureusement il ne m'a pas parlé de l'histoire de l'Égypte ou de de l'époque de son règne. Non, il avait des non, il avait avec moi des, des rapports de père à fils euh, très simples, juste euh, il était intéressé de savoir ce que je faisais. De mes journées euh, quels étaient mes résultats scolaires qu'est-ce que je, il était préoccupé de ce que je voulais faire pour le futur alors euh, donc la période de l'exil a, a fait de lui un homme ordinaire un père de famille qui s'intéressait à ce que ses enfants faisaient et à ce qu'il souhaitait faire, à leur vocation. Moi, je sais entre parenthèses que vous vouliez être médecin. Oui, il ne voulait pas du tout que je fasse ça. Finalement, ce n'est pas ce que je, je, les études que j'ai suivies. Mais à un moment, à ce moment-là, ça m'avait fait un peu de peine parce que j'y tenais beaucoup. Et puis, euh, je, lui, il a absolument, catégoriquement refusé. Il estimait que c'était une profession bourgeoise. Je ne, je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait préféré que je fasse l'école militaire, ou, euh, euh, ce qui serait été sans doute plus, plus, plus approprié. Mais... Il ne l'a jamais dit. <laughs> euh, euh, Majesté, euh, la vie du roi Falous euh, euh, à Rome et en Suisse, euh, euh, comment se résumait-elle euh, Naturellement, euh, vous n'étiez pas conscient, vous étiez très jeune, euh, de ce qu'il faisait. Mais plus tard, quand vous avez essayé de le découvrir, euh, au tard, vous avez essayé de dépouiller les différentes étapes de sa vie, euh, à quoi il s'intéressait Est-ce que euh, la politique l'intéresser. Est-ce que des réunions politiques se faisaient autour d'une table chez lui Est-ce qu'il était en contact avec des partisans qui étaient bien regroupés, euh, bien distribués, bien éparpillés en Égypte Ou c'est un monsieur qui a accepté de tourner la page et de commencer une nouvelle vie, pensant ou euh, euh, sachant au préalable qu'il n'allait jamais retourner en Égypte Je crois qu'il n'a jamais voulu euh, créer un mouvement... Euh royalistes autour de lui. Je, je pense qu'il recevait beaucoup de... À, un, à certains moments, il a reçu des, des gens, des Égyptiens qui venaient le voir. Mais le, le problème, c'est qu'il fallait aussi qu'il euh, soit un peu prudent, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là pour, pour lui, lui que du bien, pour lui vouloir que du bien. Mais euh, et je pense qu'il écoutait euh, la radio et, et égyptienne tous les, tous les jours. À Rome, il avait un poste de, de, télé, de, de radio très, 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 très sensible et il écoutait certainement les postes arabes tous les soirs. Dans sa, sa vie, je crois qu'il s'était résigné à l'exil. Il y a certaines choses qu'il qu peut-être qu'il appréciait. Il aimait beaucoup l'opéra italien. Il était très, très cultivé en musique classique. Qu'est-ce qu'il a semé en vous, le roi Farrou? Et par conséquence, comment vous avez cultivé ce qui a été semé en vous de par votre père le, le, le goût du, du contact humain est simple. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas les gens compliqués, les gens qui se prennent pour des, pour ce qu'ils ne sont pas. Enfin, je, je préfère toujours euh, euh, discuter. En... Moi, de par ce que j'ai lu, je sais que votre père. Euh, euh, vous a toujours inculqué la valeur de la famille. Il voulait à tout prix que vous soyez unis avec vos trois sœurs. Oui. Vous, vous, oui. vous, vous formez oui. les doigts d'une seule main. Euh, il voulait naturellement que vous soyez toujours attachés à vos racines, à la terre de l'Égypte, au Nil, euh, à, à votre passé. Euh, euh, sur le plan personnel, à part ces grandes valeurs, qu'est-ce qu'il vous a inculqué Je crois qu'il voulait qu que... Nous vivions une vie tranquille. Il a toujours essayé de nous protéger du, du monde extérieur. Il ne voulait pas qu'on qu rencontre des gens qui... Une, pendant sa, la période qu'il a vécue à Rome et en, et en Suisse, euh, c'était sous le nasserisme. Euh, c'était une période où en Égypte, il y avait la terreur policière. On peut le dire quand même. Alors, il, était un peu الملك فؤاد لأول مرة على شاشات العربية وقف قصير نعود من Majesté, le roi Farouk vous a épargné euh, euh, la vie à Rome, qu'il considérait comme ville dangereuse, euh, non sécurisante. Euh, les agents de services euh, de renseignement égyptiens s'y trouvaient. Il décida euh, de vous installer euh, ainsi que vos sœurs en Suisse. Vous avez habité Cui avec deux gouvernantes, mademoiselle Simone Tabouret et Miss Anne Shermside, ainsi que votre garde-corps albanais, Rustam Abdelrahman. Les princesses Ferial, Fauzi et Fadia étaient à Lutri. Elles venaient vous retrouver tous les dimanches, passer la journée avec vous. Votre mère, Nariman, était au Caire. Un enfant loin de son père, un enfant loin de sa mère, un enfant loin de ses sœurs, donc de sa famille biologique, ça a dû avoir été une dure épreuve pour vous. Les séquelles de ce déchirement familial sont toujours apparentes dans votre vie vous avez souffert je pas sans doute mais j'en ai pas vraiment ressenti le, le ressenti comme ça moi je suis d'un tempérament assez solitaire donc de toute façon euh, donc j'apprécie beaucoup euh, la tendresse que on donne mon offert mes sœurs ma nurse euh, anglaise qui a joué le rôle de mère pour moi euh, Bon. Donc, sur le moment, je n'en ai pas sou sou vraiment souffert. Le, 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 le moment qui a, où l'autorité paternelle m'a manqué, c'est après son, sa, sa mort, malheureusement. malheureusement c'est quand je suis devenu étudiant. Là, j'étais un peu déboussolé à ce moment-là. Donc, c'est entre l'âge de 16 et 20, 20, 22 ans. C'est là où j'aurais bien aimé pouvoir avoir ses conseils. C'est à ce moment-là que mon père m'a beaucoup manqué. Mais mon enfance a été assez heureuse. Dieu merci. C'est ainsi que vous la qualifiez. Hein. Oui, lui quand même. Majesté, à quel âge vous avez retrouvé votre mère J'ai eu quelques contacts en Suisse quand elle est venue. J'ai surtout revu. Euh, lorsque j'ai eu l'âge de 20 ans, je l'ai revue à Genève et, et, et à Paris. Donc, elle vous a laissé, vous aviez deux ans, oui. et elle vous a retrouvé à l'âge de 20 ans. Oui. Euh, est-ce que vous l'avez pardonné Je lui ai dit que je lui avais pardonné, et c'est ce que j'ai sincèrement essayé de faire. Maintenant, est-ce qu'on est est qu peut effacer le. Le, le, toutes ces années où elle n'était pas auprès de moi, non, on ne peut pas les effacer. Mais moi, j'ai essayé de le comprendre aussi, quel a été son, son point de vue, parce qu'elle euh, a certainement souffert aussi euh, du, de, de, de la situation et du caractère de mon père, qui n'était pas facile non plus. Moi, j'ai essayé en tant que fils de, de l'aider. Euh, elle a, eu des problème, elle a eu des problèmes de santé, j'ai essayé de, de l'aider aussi. Euh, donc, donc euh, euh, vous lui en avez voulu, mais quand même, c'est une page oui, que vous avez tournée, lui et vous l'avez pardonné. Oui. Est-ce que vous pensez que la reine Naliman a été victime de sa mère Certainement, oui. Elle a une mauvaise influence. Ça, c'est bien dommage. Ouais, c'est comme ça. Euh. Est-ce vrai que Assil assad avait l'intention de vous enlever et de vous livrer à Mohamed Naguib. J'ai entendu cette histoire, j'ai du mal à le, à le croire. C'était peut peut-être euh, l'idée des, des officiers, de, 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 de... mais je crois que ça n'a jamais été très loin. Non. Je vois mal, je vois mal euh, deux femmes. Euh, en plus, mon père. Euh, mais ce qui était sûr, est sûr, c'est que mon père se méfiait et qu'il il mettait un Albanais toujours à côté de moi quand elle, quand elle venait me voir. Ça, c'est vrai. Euh, Majesté, vous êtes quelqu'un euh, de docile, vous êtes quelqu'un de pacifique oui. et de paisible. Euh, Est-ce que vous avez eu rancune? envers quelqu'un Non, pas vraiment. Euh, surtout maintenant que je vois que les gens commencent à reconnaître le, le rôle de notre famille, qu'ils commencent à, avoir la, à reconnaître la personnalité, de, que mon père était un homme généreux, qu'il a essayé de faire des choses pour son pays, qu'il a réussi certaines choses, et que le jugement de l'histoire maintenant devient plus équilibré. Euh, je n'ai plus de rancune. J'en ai eu pendant longtemps, je me suis dit, comment se fait-il Dans tous les pays, on révise l'histoire, on revoit les périodes historiques. Euh, au bout de 20 ans, on commence à avoir un jugement plus équilibré. En Égypte, ça a pris beaucoup de temps. Ça fait 50 ans qu'il y a eu la révolution. Euh, et c'est seulement maintenant qu'il commence à y avoir des émissions à la télévision égyptienne. Où, où, où on parle en dans, dans bons euh, bon termes de, de, de la famille, où il y a des historiens sérieux, des universitaires, et pas seulement des quelques, quelques gens euh, ou farfelus, ou bien des, des vieux, nostalgiques de, 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 de leur jeunesse, ou d'une époque qu'ils qui considèrent dorée, et tout ça. Maintenant, ce sont des, des gens sérieux qui commencent à parler de, de, de cette histoire, alors, ça, ça me fait plaisir. Alors, je n'ai plus de rancune. Dieu, Dieu merci. Est-ce que le roi Faro était également doté de cette indulgence et de ce sentiment de compassion il, il adorait son, son pays et il adorait son peuple. Et je pense que euh, quand il voyait un Égyptien qui, qui lui tapait sur l'épaule, je crois qu'il était capable de lui taper sur l'épaule et lui dire comment ça va, quand il le voyait à Rome dans, les, dans la. Dans la dans la vie dans la rue, il disait comment ça va, euh, euh, raconte-moi ce qui se passe chez toi et puis euh, et puis voilà. Je, il avait un contact très très proche avec les gens, très facile. Êtes-vous un musulman fervent, pratiquant euh, Je suis très croyant et Dieu merci, euh, j'ai traversé des périodes difficiles et, et Dieu m'a toujours sauvé jusqu'ici. Dieu merci. Euh, Majesté, d'où avez-vous puisé votre connaissance en islam Quand j'étais enfant, j'avais un professeur d'islam et d'arabe, dal que mon père avait choisi pour, 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 pour mes sœurs et pour moi, qui s'appelait Ali Zaki, et qui était profondément croyant. C'était un homme merveilleux parce qu'il m'a enseigné un islam extrêmement simple et, et tolérant. Et ça, j'en ai toujours gardé le, le, le souvenir. Et c'est lui qui m'a appris à les prières, euh, parce qu'il y avait peu de gens qui me parlaient en arabe dans la, dans la, dans la famille. Il était quasiment le seul. Et c'est lui qui m'a aussi euh, parlé de mon pays. Euh, et plus tard, à, à Paris, j'ai connu d'éminents des, des professeurs. Euh, euh, et des religieux. Euh, je, moi, je vois l'islam comme une religion qui veut euh, libérer l'homme, qui lui impose des, des droits et des devoirs, mais il a aussi des droits. Le roi Fallou, euh, pourquoi s'est-il laissé faire à la fin de ses jours, et pourquoi a-t-il pris tout ce poids alors que lui n'avait que 45 ans Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il lui est arrivé un très grave accident de circulation de, de route et il a été entre la vie et la mort pendant quelques jours et euh, de merci il en est sorti mais il a eu des séquelles, euh, sur le, il en a été assez secoué sur le plan euh, glandulaire. Je crois qu'il a souffert de problèmes graves pendant toute sa vie et c'est à ce moment-là, en partir de 1942. Il a commencé à prendre du poids. Euh, et avant ça, il était assez mince. Donc, donc euh, il, euh, il, on n'arrivait pas à le, le, le soigner sur ce plan-là, malheureusement. Et moi, quand je, je le voyais euh, comme, comme, euh, euh, comme enfant, je n'avais pas remarqué qu'il était tellement grand. Et pour moi, il était très grand. Je ne le voyais pas du tout comme euh, gros. C'était un homme. Il avait une personnalité extraordinaire. Il bougeait. Euh, euh, je me souviens qu'il il, il bougeait très, très facilement. C'est-à-dire il, il nageait, il marchait assez rapidement. Il avait des gestes assez, assez vifs. C'était pas du tout. Euh, C'était pas un homme euh, apathique quoi. du tout. C'était quand même votre idole Je ne dirais pas mon idole, mais. الملك أحمد فؤاد لأول مرة على شاشات التلفزي في العالم العربي نعود ونتابع حوارنا معه بعد هذه الاستراحة خليكم معنا أصدقائي المشاهدين Nous allons faire un travail avec le malik Fouad, qui a été fait une heure dans la chachette de Telfazi dans l'Arabie. Majesté au troisième millénaire, que veut dire être prince C'est des responsabilités et des devoirs. Et certainement, parce que. surtout auprès des. Les gens qui vous aiment, le, pour le, les, les autres, ça n'a pas, pas beaucoup d'importance. Et puis, de toute façon, nous sommes tous des êtres humains euh, en, pre, en premier, en première chose. Le reste, Dieu vous a peut-être placé à, dans, dans une certaine famille ou dans une certaine position. Euh, ça c'est autre chose. Nous sommes tous des êtres humains. Tentez-vous à projeter une image particulière. Non, pas du tout. Euh, Ce n'est pas de, de, l'intention d'imposer de, 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 une image quelle qu'elle soit. Mais vous avez le titre quand même. Oui, bien sûr, ça, je ne peux, peux pas le nier, je ne peux pas l'effacer, mais euh, ça me donne l'obligation de m'intéresser à mon pays, de m'intéresser au, au peuple, au, de, au, peuple de mon pays. Euh, pour qui j'ai beaucoup de, de tendresse et, euh, et j'espère que Dieu protégera mon pays et j'aimerais le voir dans une, une bonne situation, une meilleure situation. Euh, Majesté, qui a tué le roi Fallou Des gens du, des services secrets de l'époque de Gamal Abdel Nasser. Mais, euh, et je crois que ce n'est plus un secret maintenant. Le que, roi, ce qu'il redoutait, je ne sais pas. Parce que mon père n'avait pas d'activité politique. Il, il n'espérait pas retourner sur le trône d'Égypte. Donc euh, je, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, euh, pourquoi ce, on a commis ce crime. Quelle est la raison politique Le roi Fallot euh, meurt au restaurant Île-de-France. À Rome. Vous étiez au rosé lorsqu'on vous a annoncé le décès de votre père. Racontez-nous. Euh, euh, pour être exact, je n'étais pas encore au rosé. J'étais euh, dans une école à Lausanne, un collège privé. Et j'ai été au rosé un an après la mort de mon père. Euh, oui, on me l'a appris euh, un matin, avant, juste avant que j'aille euh, au collège. Euh, je me souviens plus si c'est ma nurse ou ma gouvernante euh, qui me l'a appris, et, donc c'était arrivé pendant la nuit, et ça a, ça a été comme si, euh, comme s'il y avait un, un poids qui me tombait sur la tête. Enfin, c'était quelque chose d'épouvantable, euh, une, une, une épreuve vraiment. Et puis le, le fait de devoir à ce moment-là, prendre, euh, prendre la tête du deuil. J'étais un enfant, j'étais très jeune et c'était... Vous êtes devenu le chef de la famille Oui, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, que c'était le cas. Et que euh... le poids était lourd oui. oui. Vous avez présidé le cortège funèbre oui. euh, à Rome. Derrière le cercueil, toute la famille éparpillée s'est retrouvée, elle s'est regroupée, entre autres la reine Nazlée, la reine Asley avait coupé tout contact avec la famille depuis 1947. La voilà qui débarque de Los Angeles. Elle arrive. Vous ne la connaissez pas. Elle avait une stature imposante. Elle débarque. Comment le contact s'est déclenché et comment a-t-il été amorcé Elle a été très chaleureuse avec moi et moi j ai, j ai accueilli gentiment. je l'ai accueillie bon, gentiment. Elle avait ses filles aussi. Euh, Faiza et Fatih avec elle. Bon, en plus, c'était pas l'occasion de, de toute façon de, de ressasser des, des vieilles histoires. On m'a raconté tout ce que, des tas d'événements euh, plus ou moins euh, malheureux qui, qui, qui ont fait que mon père a, a, a dû couper avec elle. Mais. Euh, Vis-à-vis -vis de moi, elle a été très gentille. Elle m'a invité à venir aux États-Unis pour la visiter, ce qui ne s'est pas, pas produit, malheureusement. Euh, mais euh, voilà, il n'y a pas eu plus de, de contact. De temps en temps, elle m'écrivait et moi, je lui, lui répondais. Répondez, oui. C'est les seuls contacts qu'on a eu après. Elle a connu une triste fin. Oui, je pense. Oui, loin de son pays, euh, loin des gens, de tous les gens... Beaucoup de gens l'ont aimé quand même euh, en Égypte. Et, et ça, je, je pense que son, son, son sort est encore plus triste que celui de, de mon père. Parce que mon père a toujours resté gardé le contact. Par l'Italie, il était plus, beaucoup plus proche de l'Égypte euh, que, que, que ma grand-mère. Il ne faudrait surtout pas oublier que c'est une femme qui a perdu deux de ses enfants avant son décès. Elle avait perdu le roi Falou, elle avait perdu la princesse Fatia. C'est vrai. vrai. Euh, le roi Falou avait-il une préférence pour l'une de ses sœurs <laughs> Il aimait toute sa famille euh, proche. Euh, je ne crois pas qu'il ait choisi, choisi parmi les, ses, ses, ses sœurs. Comment qualifiez-vous la relation qui vous alliait à la reine Farida Alors, j'ai beaucoup connu à Paris, euh, pendant la période où elle a habité à Paris, où elle. Euh, elle s'était euh, devenue une artiste égyptienne reconnue. Et puis, euh, je la rencontrais assez régulièrement. C'était une, une personne de grande qualité et, et euh, j'avais beaucoup de plaisir à avoir son point de vue sur, sur, sur plusieurs choses concernant l'Égypte et le, le passé, bien sûr. Euh, maintenant, euh, euh, on peut on peut aimer une personne et puis euh, ne pas euh, ne, ne, ne pas perdre de vue que certains événements qu'elle que a connus avec mon père n'étaient pas très heureux non plus. Non. Je vois que mon père n'a pas eu de chance avec les avec ses, ses deux épouses. C'est la seule chose que je, je puisse dire. Et le contraire peut, peut se dire aussi. Enfin. Euh, était, elles étaient reines d'Égypte, elles auraient dû se conduire en, 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 un peu en, comme, comme reines et, et, et penser à leur, leurs enfants aussi, hein, à leurs responsabilités en tant que mères. Les, les deux, les deux sont fautifs sur ce plan-là, hein, je pense. Mais euh, Farida euh, euh, a, a vécu beaucoup plus longtemps avec mon père que ma mère. Ma mère, euh, la, la pauvre, elle, elle, elle s'est mariée, le, 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 un an après il y a eu la révolution, euh, elle a connu l'exil, donc, donc, euh, et puis elle était tellement jeune. Euh, ça, la, 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 c est, c est, pour euh, la reine Farida, pour qui j'ai beaucoup de respect, euh, les choses sont plus les choses sont plus compliquées pour moi à accepter parce que je crois que euh, elle était très aimée par le peuple égyptien euh, et, et euh, et c'est très malheureux ce qui est arrivé. Suite à votre requête euh, du certificat de naissance, euh, un contact a été amorcé avec Nasser d'une façon indirecte. Comment ça s'est passé Ça c'est quelque chose que je m'explique pas. <laughs> euh, il a eu un geste. Euh, voilà. bon, Peut-être qu'il a voulu euh, se racheter en, en dernier moment. Euh, euh, à faire un geste pour, pour la famille, pour moi, qui n'était pas grand-chose. Juste euh, me, me faire parvenir un, un extrait de naissance, euh, sans même les titres, euh, quoi que ce soit, juste un euh, extrait de naissance euh, réétabli, ré euh, en mentionnant simplement qu'on père avait été roi, roi d'Égypte et ça, il ne peut, peut pas effacer la chose. Mais euh, bon, je, je, c'est une chose que, que j'ai du mal à comprendre. Mais enfin, il l'a fait. Donc pour ça, je suis obligé de le remercier. Il s'était mêlé personnellement Je pense que ça n'aurait pas été fait s'il n'avait pas donné ses instructions. À la suite de la grande victoire euh, de l'armée égyptienne dans la guerre d'octobre 73 vous avez fait une donation à cette armée. Le président Sadat a réagi, racontez-nous. Pour moi, cette euh, victoire, c'est un tournant dans l'histoire moderne de l'Égypte. Il y a eu le, 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 y a plusieurs événements dans l'histoire de l'Égypte importants, euh, de, de récents, le, le coup d'État de 1952, la crise de Suez de 1956, euh, il y a la guerre d'octobre de 1973. Un, euh, et c'est à ce moment-là que l'honneur de l'Égypte a été euh, relevé grâce à l'armée égyptienne qui a pu euh, reprendre euh, le canal de Suez et reprendre une partie du Sinaï. Et j'étais tellement ému par, en suivant ces, ces, ces événements, enfin pendu à la radio ouais, aux événements et, et, et écouté chaque, minute par minute ce qui se passait. et J'étais très très reconnaissant au président Sadat d'avoir euh, lavé l'honneur de l'Égypte. Et je, je l'ai félicité. J'ai fait une petite donation vraiment. C'était dans la mesure de mes moyens qui à ce moment-là n'étaient pas très important. Mais, mais il l'a il, 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 a, il, a, il en a fait part devant le Parlement égyptien, ce qui m'a beaucoup touché. Vous invitez par la suite à vous rendre en Égypte Oui. Je n'ai pas pu le faire immédiatement, mais euh, du, du, du temps de, de, de son vivant, mais je l'ai fait plus tard. Et votre fils aîné a vu le jour au Caire Oui, c'est vrai. Allez, Majesté, comment décrivez-vous la relation qui vous liait au prince Régnier et son épouse, la princesse Grâce Oui, c'était des amis personnels de mon père. Enfin, surtout le, le prince Régnier, je crois qu'il. Le, 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 y avait un contact personnel entre eux. Et puis, mon père avait certainement beaucoup d'admiration pour euh, le prince Régnier. Et. Bon, ces contacts se sont perpétués après, après la mort de mon père. Prince Régnier a, 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 a gentiment continué la tradition de, de, de nous, nous de donner à la, la citoyenneté malégasque à ma famille, enfin à, à moi-même. Et, et j'ai gardé des contacts avec lui. Le phéton égyptien Al-Malek Farouk, qui a relaté la vie du roi Farouk, a battu les records dans le monde arabe, des records d'audience assez élevés. Comment expliquez-vous ce phénomène Je suis un, un peu surpris que le, le, cette, la reconnaissance, enfin l'intérêt euh, qu'on a pour la vie de mon père soit arrive maintenant un peu, un peu tardivement. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors, euh, c'est certain que euh, j'ai été surpris par le, le, la, grande, le, la grande audience que ça a eu euh, dans le monde arabe. En Égypte, euh, je trouve ça un peu normal que maintenant les, les gens s'intéressent à leur, leur histoire et, et, et veuillent voir comment était la vraie... se rapproche de, 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 de la connaissance de... de la monarchie de La monarchie, oui. Et du, règne du de, et du règne du Rafaou. Est-ce que vous avez pu suivre les péripéties de ce feuilleton-là J'ai vu presque tout en totalité. Dans un ou deux épisodes, je n'ai pas pu les voir, mais j'ai vu le début, j'ai vu la fin. Oui. Vous avez approuvé euh, tous les faits historiques qui ont été cités J'ai trouvé qu'il était très bien fait. J'ai bien aimé l'acteur euh, qui a joué le, le rôle de mon père. C'est pas très facile. Euh... Et disons en, en gros j'ai trouvé que c'était un très, un, très bon, un très bon feuilleton maintenant il y a certaines euh, choses un peu naïves euh, mais ce sont des détails euh, qui, qui bon je vois pas de choses la façon de, de de vivre dans les palais n'était peut-être pas exactement celle celle qui a été montrée mais enfin c'est des, des détails oui, des détails. Autrement, l'essentiel est là. Je suis reconnaissant avec, euh, à ceux qui ont fait ce film. Majesté, la nouvelle génération en Égypte ressent une grande envie de vous rencontrer, de communiquer avec vous. Comment voyez-vous cela arriver J'ai des contacts par euh, maintenant par euh, électro courrier électronique. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en contact avec moi. Mais euh, je n'ai pas d'ambition politique personnelle. Mais là, je suis la politique avec beaucoup d'intérêt. C'est deux choses totalement différentes. Non, ce n'est pas ça le but, naturellement. Mais les gens, euh, ils ont une grande envie de, de, de vous parler, euh, de manifester leur amour, leur affection, euh, leur appui. Et ils ne savent pas comment le faire. Moi, je peux vous le dire, après l'entrevue que, que j'ai eue l'année passée avec la princesse Ferial, j'ai reçu des milliers de mails provenant d'un peu partout, et les gens souhaitaient rentrer en contact d'une façon ou d'autre avec son Altesse Royale. Alors avec vous aujourd'hui, ça va être naturellement pareil, si pas plus. Alors comment voyez-vous cela arriver Je suis très touché de cet intérêt, mais euh, je ne vois, vois pas très bien, euh, plus que par, par, en, en, en m'adressant à vous et en, en vous chargeant de, de les remercier. De, de, de leur intérêt, de, de leurs de leur, euh, leur sentiments. Euh, ça me touche beaucoup. Mais euh, certainement, si, si l'occasion se présente, je, les, je rencontrerai ces gens. Il, il faudrait avouer une chose entre publics que ça n'a pas été facile de convaincre Sa Majesté de l'importance de passer à la télé et de s'adresser à vous. Le <laughs> <laughs> le et majesté, vivant au 82 avenue foch dans un somptueux appartement, fréquentant le gotha européen arabe, le roi fouad disparaît tout d'un coup. vos amis veulent savoir où vous êtes aujourd'hui. qu'est-ce que vous leur dites? Présentement, je vis en, en Suisse, au, euh, pas loin de ma soeur Ferial, qui est la, ma seul, la seule euh, sœur euh, survivante actuellement. Et euh, je vis euh, entre Genève et Lausanne. Et j'ai eu des problèmes de santé assez graves. Dieu merci, euh, je me suis bien remis. Maintenant, et je vais reprendre des, si Dieu le veut, je vais essayer de reprendre des activités euh, euh, sérieuses. Et je dois dire que. Il y a beaucoup de choses euh, intéressantes à, à faire dans la vie. Je veux, je veux faire des voyages, je veux retourner dans mon pays, je veux, je veux rencontrer des gens. Je voudrais dire particulièrement aux Égyptiens que. Suis très extrêmement sensible à la situation de mon pays et particulièrement à la situation du peuple égyptien et j'espère de tout cœur que euh, beaucoup de problèmes puissent être résolus donc le, la pauvreté, l'analphabétisme, la, la, la pollution. L'Égypte euh, est un pays merveilleux. Mais sans le, le travail de, euh, de sa population, et puis le, 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 ils ont le, le, qui, un grand effort du point de vue euh, de, des autorités, euh, il, faut, il faut que cette situation s'améliore. Euh, J'aimerais bien voir à la fin du siècle, Inch'Allah, euh, l'Égypte soit... Parmi les grandes puissances du monde. Elle le mériterait, vu le, le, quand on regarde l'histoire de l'Égypte, les millénaires de sa culture, de la grandeur de son peuple, elle mérite d'être dans une situation bien meilleure qu'aujourd'hui. Voulez-vous changer quelque chose dans votre vie aujourd'hui À part le fait que vous avez entamé un régime. Et que vous avez perdu depuis le début de l'année 6 kilos. Et ça va continuer. Bien sûr, j'ai d'en À part ça, est-ce que vous souhaitez remanier quelque chose, changer quelque chose dans votre vie Et je sais, et j'ai su que vous avez également repris le sport et que vous avez skié cet hiver. J'espère. Non, je vais reprendre le jogging, sérieusement. Euh, la datation aussi. Oui, oui, je pense qu'il faut, il faut toujours euh, regarder la vie sur un, dans un angle positif et, et remercier Dieu de ses bienfaits. Comment voyez-vous les prochaines années à venir vous, vous êtes optimiste sur le plan personnel, naturellement, je veux dire Oui, oui, je suis, je suis optimiste. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de... Je suis intéressé de, de voir.. Euh, de suivre les événements, de, je vous ai dit de voyager, de rencontrer des gens. Euh, majesté, j'arrive là à ma toute dernière question. Euh, vous êtes un roi qui vit en exil. Euh, vous adorez votre pays. Vous ne pourrez jamais retourner pour y vivre. Mais vous avez une grande euh, euh, passion pour ce pays. Et vous avez une volonté farouche d'aller le visiter occasionnellement. Euh, vous éprouvez pour votre peuple beaucoup d'estime. Et beaucoup d'affection, et ils peuvent vous le rendre à travers une correspondance sur le net. Euh, euh, vous avez connu une vie tumultueuse, vous avez connu une enfance solitaire, où vous étiez seul, loin de la famille biologique, loin de votre père, de votre mère, de vos sœurs. Euh, sur ce, vous êtes devenu quelqu'un de solitaire, vous êtes un homme timide, vous avez connu également dans votre vie, des, des, des étapes et, et vous avez connu des caps durs. On ne va pas en parler. Euh, avec tout ce passé que vous avez eu, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes arrivé à un équilibre sur tous les plans de votre vie Ça serait un peu présomptueux. Non, non, euh... Il y a beaucoup de choses euh, sur lesquelles je, je considère avoir des lacunes. Alors, si c'est sur le plan. Euh, euh, <laughs> par exemple, j'ai beaucoup de mal avec l'Internet. <laughs> je n'aime pas les, le téléphone non plus. <laughs> Et il euh, manque euh, euh, pour cela euh, des choses qu'il faudrait euh, perfectionner. Mais. Euh, ما عنديش لا انا صاحب الجائلي, انا بتشكرك على المشاركه في هذا الحوار الشيق، وكان طبعا شرف كبير لي ان اكون اول صحافي عربي بحورك عبر التلفزيون، وكانت هذه بالتالي اول اطلاله تلفزيونيه لك على محطه عربيه. انا بتامل انه عائله الملك فاروق تعود وتبرز في المجتمعات العالميه والعربيه. أصدقائي المشاهدين شكرا لوفائكم وشكرا لمتابعتكم لهذا الحوار بتمنى لكم نهاية سهرة ممتعة تصبحوا على خير